Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la marque The Gel Bottle. Donc c'est une marque anglaise qui revend des produits de manicure, de pédicure et également du coup tout ce qui est onglerie. On retrouve des VSP, des gels de construction, des lampes UV, des vernis classiques. Il y a également des kits pour les VSP. Il y a également des accessoires, du coup tout ce qui est lime, bloc, pinceau, petites serviettes, les petites palettes pour pouvoir mélanger les fards, les vernis entre eux, les petites capsules, plein d'autres choses mais que j'ai pas tout listé. Il y a également des produits de manicure, donc c'est-à-dire tout ce qui est gommage, masque et crème pour les mains. Il y a également des chablons, des capsules, de la colle à capsules du coup. Et aussi dans les accessoires, j'ai oublié de dire, il existe des tabliers. J'adore comment leur site est agencé, je trouve que c'est assez joli. C'est juste, si c'est la première fois que vous y allez sur le site, vous n'allez pas vraiment comprendre où il faut aller parce que c'est pas écrit explicitement vernis semi-permanent, gel de construction, vous avez tout dans la même catégorie. Il faut s'y adapter, mais après, une fois qu'on a compris, c'est facile. Vous avez la première catégorie, du coup, c'est là où vous avez tous les vernis semi-permanents. Vous avez tous les produits même dessus. Vous avez une deuxième catégorie, vous avez tout ce qui est vernis classique. Une troisième, vous avez du coup tout ce qui est produits manicure. Tous les prix sont affichés en TTC sur leur site. Et vous avez également 7€ de frais de livraison avec la poste. Et bien sûr, du coup, c'est une livraison à domicile. Donc c'est vrai que ça ne bouge généralement pas au niveau des frais de port. Et un détail qu'il n'y a pas dans les autres marques, c'est que cette marque est vegan. C'est plutôt bien selon votre type de clientèle et vous avez également des produits cruelty free. On passe tout de suite à mon avis sur les produits. Déjà, mon avis sur la lime, je la trouve très très bien. J'adore j'adore cette forme en plus de lime et franchement elle est trop bien. Je sais pas si elle dure longtemps sur le temps, par exemple là je m'en suis déjà servi quelques fois et je sais pas trop si elle va continuer à durer longtemps ou pas. Du coup, je vous tiendrai au courant sur le long terme si j'aime toujours cette lime. Mais du coup, pour l'instant, je l'aime bien. Je la trouve assez abrasive, mais pas trop non plus. Donc vraiment, elle est au top. Leur polissoir, j'adore leur polissoir. Enfin, leur bloc ponce plutôt, parce que c'est pas un polissoir. Très bien, il est efficace. Franchement, j'ai rien à redire dessus. Le chablon. Alors, honnêtement, la forme du chablon, quand je l'ai vu, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce chablon. Et en fait, ben je kiffe ce chablon. Honnêtement, j'adore la forme, j'adore, franchement, je kiffe ce chablon. Et je pense que dès que je termine celui-là, je le recommande. J'avais le indigo juste avant et j'utiliserai toujours les deux, mais je pense que le The Gel Bottle a dépassé le indigo. Le gel de construction, donc c'est celui qui m'a servi pour faire ma pose. Il est de cette couleur là. Franchement, la couleur est magnifique. Je sais plus quel numéro j'ai, mais je vous mettrai une petite image à l'écran. Franchement, il est trop, trop bien. Je l'adore. Alors, il est très auto-égalisant. Donc, c'est-à-dire qu'il coule très rapidement. Vous pouvez pas faire tous les doigts en même temps. Il faut vraiment les catalyser. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé sous la machine 10 secondes. Pour que je puisse travailler sur ce doigt-là, 10 secondes vite fait, pour que juste ça catalyse très légèrement. J'ai fait l'autre. Enfin, quand je le fais sur moi, mais après quand je fais sur mes clientes, je mets un doigt. Donc, sur mes clientes, il n'y a pas de souci. Mais sur moi, du coup, je le mets 10 secondes à catalyser et je passe à l'autre doigt. Voilà. Et après, je laisse 60 secondes, bien sûr, pour bien finir le tout. Mais du coup, voilà. Après, je trouve top parce qu'il a une très jolie finie. Il est facile à travailler. Le seul hic, c'est qu'il est trop auto-égalisant et qu'il coule assez rapidement. C'est vraiment la seule chose que je pourrais lui reprocher parce qu'après, il est au top. La base, donc j'ai la hyper base. Non, je sais plus comment elle s'appelle chez eux, mais j'ai leur base et elle est très bien. Vous pouvez faire des mini rallongements avec. Vous pouvez également faire un bombé et elle est très très bien. Franchement, je la kiffe et je vous la recommande fortement. J'ai pas 150 vernis de leur marque parce que tout simplement ils sont assez onéreux. J'avais déjà leur blanc, donc le Daisy, et je kiffais ce vernis et c'est vrai que je voulais en racheter, mais bon, c'est assez onéreux. Et lors des soldes qu'il y avait eu, j'ai acheté du coup un nouveau vernis. Et donc j'ai acheté ce joli bleu, j'avais fait une pose avec, il était magnifique. Et vraiment, ce sont des très très bons vernis, je n'ai rien à redire dessus.
Ils sont bien pigmentés, bien épais. Ce que j'aime, quoi. Pas trop épais, pas trop liquide, parce que les angles 24 qui coulent, ben, s'ils sont trop liquides, ça me va pas. Soit ils sont assez épais pour pas couler. Ils ont une brillance déjà de eux-mêmes. Franchement, j'adore. Si jamais vous hésitiez à acheter des vernis chez The Gel Bottle, je vous conseille pas d'acheter 150 vernis, mais achetez-en un et peut-être la base et la finition, ou voilà, ou d'autres produits, parce que vous n'avez pas payé les frais de port juste pour un vernis. Après, certes, ils ont un coût à l'achat, mais ils vous durent tellement longtemps que le coût est vraiment rentabilisé. Leur finition brillante, elle est vraiment top, parce qu'elle est vraiment brillante. Elle reste brillante même si, vous voyez, j'ai des petits coups de lime. Vous ne savez pas les voir. Mais en fait, ça se voit pas beaucoup, mes petits coups de lime qu'il y a dessous. Franchement, je suis ravie de cette finition. Elle brille de fou. Et pour terminer, j'ai testé leur finition matte. Je n'ai jamais, mais quand je vous dis jamais, utilisé une finition matte aussi bien que celle-ci. Elle déjà catalyse au bout de 10 secondes sous la lampe. Enfin, elle devient mate au bout de 10 secondes sous la lampe et c'est magnifique. Le résultat dure, il ne se salit pas, il ne s'abîme pas, il est vraiment top. J'ai adoré travailler avec cette finition et je vous la recommande mais à 1000% parce que c'est vraiment une très très bonne finition et vous n'allez pas en être déçu. Je n'ai pas testé ni leurs accessoires ni leurs produits de manucure parce que pour le moment j'ai déjà plein de produits à terminer niveau manucure. Donc je m'étais dit que ça servait à rien que j'en rachète. Pour terminer, ma conclusion, c'est que je vous recommande vivement tous les produits de la marque The Gel Bottle et que j'adore tous leurs produits. Et honnêtement, je pensais pas kiffer autant la marque The Gel Bottle. D'une part, les prix étaient assez onéreux et c'est vrai que ça m'a freiné énormément de temps au niveau du prix parce que je me disais que si c'était pas des bons produits, j'avais dépensé autant d'argent. Mais vu tous les bons avis que je voyais, je me disais qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit des mauvais produits. Et j'ai enfin sauté le cap. Et je suis très contente d'avoir sauté le cap. Et je vous recommande vraiment tous les produits. Et si vous avez le budget pour, n'hésitez pas à foncer. Je vous dis après, vous n'êtes pas obligé d'acheter toute une collection. Je vous recommande vivement d'acheter dans la marque The Gel Bottle. Et puis les produits, vous êtes sûr qu'ils vont durer très très longtemps. Du coup, moi j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à laisser en commentaire les marques que vous aimeriez que je teste. N'hésitez pas du coup non plus à vous abonner à ma chaîne et à liker pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. Du coup, moi je vous laisse, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Si vous voulez me retrouver avant, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram, La Porte de la Beauté, où vous avez tout sur les ongles sur mon compte Instagram, ou sur mon TikTok, La Porte de la Mode, où là vous avez de la beauté et de la mode. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche. Bye !